Et bienvenue pour un nouveau vlog. Je vous retrouve avec Jessie parce que c'est les vacances. Oui, on n'a pas l'école, on va se balader. On n'a pas école, on va se balader. Voici le résumé par Jessie. Alors, à savoir que nous, on a commencé les vacances de façon hyper cool puisque dès le premier jour, on s'est retrouvé chez le docteur. Oui, tu peux aller voir papa, bien sûr. Papa qui est en train de terminer de se préparer. Donc je disais, on est allé chez le docteur puisque les filles étaient malades toutes les deux. Du coup, Jessie, à l'arrivée, c'est une otite, on s'en doutait parce qu'en fait, elle a le tympan perforé puisque ça a commencé à couler au niveau de son oreille. Et Jen, elle a une angine, mais genre une angine de folie comme le docteur avait jamais vu en fait. Donc toutes les deux sous antibio. Et moi, j'en ai profité pour lui faire regarder ma gorge puisque je vous avais dit, oui mon amour, tu peux fermer la porte. Puisque je vous avais dit que j'avais été malade il y a maintenant plus de 3 semaines, mais que ma toux avait tendance à persister et je soupçonnais mon côté allergique vu tout le pollen qui vole depuis quelques temps. Sauf que d'habitude, au niveau de mes allergies, c'est plutôt mon nez, mes yeux qui sont touchés. Là, pour le coup, pas du tout, je dirais, parce que j'ai pas les yeux qui coulent, j'ai pas le nez pris et tout et tout. Par contre, d'après le docteur, le petit côté qui fait que je continue à tout sauter, en fait, ce serait bien allergique. Donc cette année, mon allergie est au niveau de ma gorge. Et c'est une grande première parce que vraiment, je suis habituée au rhinite allergique, mais pas à la toux allergique, voilà. Bon, j'ai toujours eu des petites variations comme ça en fonction des années. Donc voilà pour tout ça. Du coup, là, on est en train de se préparer pour aller faire un petit tour puisqu'on voudrait s'occuper du jardin. Mais d'abord, je voulais vous reparler de mes compléments alimentaires, ceux que je prends en ce moment depuis que je me suis remise au sport, que j'essaye de manger un petit peu mieux et tout et tout. Je dis un petit peu parce que j'ai pas fait de croix sur le chocolat et les M&M's quand même, hein. Je m'autorise quelques petits plaisirs. Mais voilà, j'essaie de faire un peu plus attention. Je vous en ai parlé sur les réseaux, je vous en ai pas encore parlé ici, donc c'est parti. Je suis allée tout chercher et ces compléments alimentaires, ils sont de la marque Arco Pharma. Alors pourquoi Arco Pharma? Parce que les produits sont fabriqués en France à partir d'ingrédients d'origine naturelle. En fait, c'est de la phytothérapie tout simplement. Donc on va bénéficier des bienfaits des plantes sélectionnées en fonction de la problématique ciblée. Et dans mon cas, je me suis orientée vers tout ce qui est détox, drainant et brûleur de graisse. Du coup, j'ai attrapé celui-ci en premier, ça tombe bien, c'est celui que je prends dès le matin. C'est l'Arcofluid Ultra Brûleur de Graisse à base d'artichaut, de maté, de marc de raisin, de fenouil et d'aloe vera. En fait, celui-ci va aider à brûler les graisses, à réduire l'aspect de la cellulite et également à détoxifier. Et l'utilisation est hyper simple, c'est une ampoule le matin à diluer dans un grand verre d'eau. Je prends également les arcogélules Bio-Conjac qui ont un effet bénéfique sur la perte de poids puisque ça va aider à réguler l'appétit. Celle-ci, c'est 2 gélules à prendre une demi-heure avant les 3 repas principaux avec un grand verre d'eau. Également les arcogélules bio thé vert dont la formule d'origine biologique est hautement concentrée en actifs ciblés et va donc aider à affiner la silhouette grâce à l'action brûleur de graisse du thé vert. Et celle-ci, c'est 2 gélules à prendre au cours du petit déjeuner, toujours avec un grand verre d'eau. Et enfin les arcogélules pilosel, puisque la pilosel a un effet drainant, donc ça va aider à éliminer l'eau. Et celle-ci, c'est tout simplement 2 gélules le matin et le midi au cours des repas. Du coup, je suis hyper contente de ce petit programme parce que je vois déjà les effets. Alors là, j'allais dire, ah, j'ai bien mis ma chemise et tout à l'intérieur, mais en fait c'est surtout au niveau de la taille, je trouve que j'ai commencé à m'affiner. D'ailleurs le jean que j'ai acheté il n'y a pas longtemps est un petit peu large à ce niveau là et ouais, je continue parce que je suis trop contente. Par contre, j'allais dire, vous me connaissez, hein, je les mets à côté de ma cafetière parce que sinon j'ai tendance à oublier. Là c'est vraiment le point stratégique, hein, le petit café du matin, le petit café du midi, tout ça tout ça, donc au moins j'y pense et ça c'est cool. Et sur ce, je vais aller voir si tout le monde est prêt, mais je pense que là ça devrait être bon, et direction la jardinerie pour aller voir un petit peu ce qu'on va planter dans notre potager cette année. Oui, on s'y prend juste à la limite, hein. Je crois que là il faut le faire, sinon après ce sera trop tard. Mais bon, voilà, on voulait attendre que ce soit les vacances pour que Jessie puisse venir avec nous parce qu'elle adore ça, et puis Jen aussi, elle adore ensuite aider à planter et tout et tout. Coucou Namou. Re-coucou. Ah, ça y est, vous êtes prêts? Oui, on est prêts. Il n'y a plus qu'à mettre les chaussures, la petite veste. C'est et ça. Direction. Ouais, je vais comme ça. Tu veux garder les cheveux lâchés? Oui. D'accord chérie, c'est les vacances, on profite. Comme ça. Oui, ça te va bien, les cheveux lâchés. C'est la mer. Ah oui, alors Jessie est fan de ma chemise. Hein. Depuis ce matin, elle me dit, ouais, c'est la mer, je connais, il y a le sable. On va y aller avec le seau et la pelle. Oui. Il m'a des petites palmitos. Il y a des petits palmitos. Ah, c'est ma fille. Oui, moi, j'ai acheté à la mer. C'est bon, je peux plus la renier, c'est sûr. Oui, ne parle de palmitos. Oh, il y a un ami. Ça ne s'arrête jamais. Une Allez, ça. On y va? Oui. Oui. T'as des nouvelles baskets? Oui. Oui, tu nous les montres? Vas-y, tourne. Oh là là, elles sont belles, ça brille derrière, c'est canon. Il y a 1, 2, 3. Il y a 3 scratchs, oui. 1, 2, 3.
toi. De chaque côté, comme ça, tu peux les mettre toutes seules comme une grande. Oui. Vous êtes trop mignonnes comme ça. On attend le caddie, on attend le caddie. Il arrive. Les hibiscus sont là. Ah, ils sont beaux les oranges aussi comme ça là. Ici il y a d'autres couleurs. Passion hibiscus. D'abord comme elle est jolie celle-là. Bah, elle regarde est trop belle. Comme elle est jolie. Oh la couleur. T'as vu? Jessie, elle veut acheter toutes les plantes. Oui. Ah, mais celle-ci est vraiment particulièrement jolie. Celle-là, elles sont belles plus achetées. J'aime beaucoup. Oh, ouais, t'as raison, c'est très joli aussi. Les couleurs. C'est Jessie qui pousse le chariot. C'est quoi ce fraisier là? Très bonne question. Oh, incroyable. Hein. Bah alors. Ouais. On va au moins en mettre un plant. Bah ouais, faut tester, goûter. Moi je dis. Et si on tentait la pâte à douce, tu me dis? Bah oui. Mais carrément. Ah ouais, je suis partante, mais fois mille. J'adore la pâte à douce. T'as vu ces tomates? Ouais, ce que j'étais en train de regarder. Ah, ma cœur. Orange et rouge. Des tomates cerises. On met aussi des cœurs de bœuf? Oui. Oh, as de cœur, celle-ci, elle s'appelle. Oui. Et de l'autre côté, il y a quoi? Celle qu'on a regardée, Elena. Ronde green zebra. Super steak. Tomate, super steak. Excellent. Tomate ananas. Tomate ananas. Il y en a aussi les tomates. Incroyable. Moi je veux tester les tomates ananas, Sam. Hein. Obligé. 1, 2, 3, 4, 5. Tu comptes les étiquettes, l'amour? 7, 8, 9, 10. Bon, il y a quoi d'autre du coup? Tomates normandes, oh, les noires de Crimée, c'est bon aussi. Tomates rose de Berne, tomates Saint-Pierre, tomates. Ce qui nous arrange énormément parce que nous, on adore les tomates. Ah, moi je suis madame tomate. Ah, mais grave. Ah, vraiment. Toute la famille, sauf Josh. Oui, c'est vrai. Tomates cerises. Tomates cerises, ouais. Cocktail aussi, elles sont bonnes. Non, mais toutes les tomates sont bonnes. Toutes les tomates. Tu vas jusqu'au bout? 8, 9. Bon, ben. A tout à l'heure. Et pendant que nous regardons toutes les variétés, Sam, il a rempli le chariot. Hein. Oui. Après, un peu de tout. T'échanges? Ouais, je vais échanger. Tu vas échanger contre quoi? Maman. T'as pris un ananas, hein? Oui, j'ai pris un ananas. Maman, t'es où? Oui, chérie. Voilà. Elles ont l'air sympas aussi, les tomates romains. Hein. Ah oui, t'avais intérêt. Grave. Grosse pression. Tomate jaune d'Oli. On veut tester aussi ça, nous. Tomates jaunes. On va faire pousser que des tomates dans le potager. C'est pas grave, c'est trop bon les tomates. C'est plus important les tomates. Les tomates, c'est la vie. Voilà, c'est plus les pâtes, c'est la vie. En été, c'est les tomates, c'est la vie. Les tomates, c'est la vie. Bon, on rigole, on va quand même mettre autre chose que des tomates. On a pris poivron jaune et aussi petit marseillais pour tester. Et maintenant, les fraises. T'as vu, il y a de la mara des bois. Anaïs, on n'a jamais planté. Anaïs, oh, si, Florette. Ah, mais il y a des variétés que je connais pas à chaque fois, chaque année. Et là, Mariette. Elle chante les petits poissons dans l'eau. Bon, pendant ce temps-là, nous, on a pris du coup hein, des fraises Anaïs et Mariette parce qu'il est inscrit qu'elles sont très sucrées. Ils ont toujours du succès, les poissons. Oh oui, il y en a qui sont balèzes. Plein de poissons. Ouais. Ils sont trop mignons, les petits roses. Oh, c'est où? Et bien entendu, le terreau pour tout ça. Elle veut aller tout au bout. Elle veut aller tout au bout? Elle sent toutes les fleurs, elle est trop mignonne. Bon, on y va les filles? Allez, on y va? C'est quoi? C'est un remake de La Petite Maison dans la Prairie, version allée de fleurs? Allez! Oui, elle veut toutes les fleurs, toutes les couleurs. Allez, viens chérie, on y va. Oui, mon amour, elles sont belles.
Papa. Oui, il est déjà parti. Il faut le rattraper. On est perdu. On est perdu. Allez là, papa. Ah, il était pas loin. C'est une coccinelle pour mettre dans le jardin? Oui. Oui, ça va être chouette. Et dedans, il bouge les jambes. Elle bouge les jambes. Et j'ai à nouveau eu un superbe bouquet à la jardinerie. Waouh, il est vraiment magnifique avec ces couleurs-là. Bon, toujours du lys et un oiseau de paradis, parce que c'est vrai que ça fait de l'effet dans un bouquet. Et je l'ai mis dans mon nouveau vase. Mais oui, parce que je ne vous l'ai pas encore dit. D'abord, je voulais commencer par vous remercier pour tous les petits messages que j'ai reçus pour mon anniversaire qui est donc passé et j'ai été super méga gâtée. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer tous les petits cadeaux que j'ai eus. Mais d'abord, c'est l'heure de manger. Somme, le cuistot est au fourneau pour nous faire petite omelette améliorée ce midi. Oui. Sympa. Je vous retrouve dans mon studio parce que Jessie est à la sieste et je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer mes cadeaux d'anniversaire. J'ai tout mis là-dedans sauf le vase dans lequel j'ai déjà mis des fleurs puisqu'aujourd'hui Sam m'a racheté un bouquet. Il est trop beau et je pense que même quand il n'y aura pas des fleurs dedans, je vais le laisser sur l'îlot en déco parce qu'il va parfaitement avec le reste de la cuisine. Vraiment, j'aime beaucoup le côté à la fois simple, un peu design et tout transparent. Enfin bref, il me plaît énormément. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais sortir tout ce qu'il y a dans ce sac-là et vous montrer les choses une par une. Donc complètement dans le désordre, une petite tasse verte avec des feuilles dessus pour le côté tropical. J'adore, vous savez que j'adore les jolis mugs. C'est un vrai plaisir pour moi de boire mon café, mon chocolat chaud dans un mug que je trouve beau, voilà. Ensuite, cette petite collection de véhicules Volkswagen. Alors, vous le savez peut-être ou pas encore, je suis fan des vannes et des coccinelles. Donc, quand ça m'est tombé sur ce petit coffret, cette petite boîte, il s'est dit que ça me ferait trop plaisir. Et effectivement, en déco, ça va être juste parfait. Je pense que je vais laisser dans la boîte pour le côté collection et peut-être les mettre sur une étagère. Alors, soit de ce côté-là, soit derrière, sur une petite étagère un peu fine. Peut-être que ça rentre. Faut que je vois, mais en tout cas, c'est trop mignon, ça me plaît trop. Ah, tous les petits vannes et tout, j'adore. J'ai également eu ça, c'est une petite figurine surprise de gros goût, parce que je suis fan de gros goût aussi, je suis fan de beaucoup de choses en fait, mais voilà, j'ai beaucoup de passion et de centres d'intérêt. Mais je l'ai pas encore ouverte, je pense que je vais le faire avec Jessie, parce que ça va l'amuser, et avec Jen aussi. Voilà, c'est le petit côté surprise, mignon, une petite attention que je trouve trop chou. Également, avec Jen, ils sont tombés sur ce pyjama avec Wonder Woman dessus. Donc, ils se sont dit que ça m'irait bien et ils me l'ont pris. Je trouve ça vraiment beaucoup, beaucoup trop chou. J'ai aussi eu des petits parfums comme ça. Alors, ce sont des parfums d'ambiance, plus exactement extraits de parfums. Iconique figuier, pardon, et tiare étincelant. Ça vient de chez Nature et Découverte, je crois. Et en fait, c'est parce que l'année dernière, Josh m'avait offert un diffuseur d'huiles essentielles qui est donc dans mon studio et que j'adore. Et en fait, dans les diffuseurs d'huiles essentielles qui fonctionnent avec, vous savez, vous mettez quelques gouttes dans de l'eau, on peut aussi mettre du parfum à la place. Donc voilà, il s'est dit que pour tester, j'allais pouvoir mettre du parfum et ça me fait trop plaisir. En plus, tiare et figuier, quoi, genre mes odeurs préférées. Je continue avec ce petit paquet de chez Etam. Alors j'avais dit à Sam que j'avais envie de lingerie qui soit un peu moins visible sous, vous savez, les tout petits débardeurs en été, les petites robes qui ont parfois les manches qui remontent beaucoup, style dos nageur carrément, etc. Du coup, je vous montre les modèles parce que franchement, ils sont trop beaux et à mon avis, ça va être hyper pratique à porter. Donc voici le premier, déjà les petits motifs et tout, c'est trop mignon. Les bretelles couleur chair, donc ça c'est hyper sympa. Et en fait à l'arrière, les bretelles se rejoignent. Donc pour les dos, vous savez qu'ils sont un petit peu échancrés sur les omoplates et tout, ce sera invisible, ce sera juste parfait. Et à l'arrivée, il m'en a aussi pris un noir, comme ceci. Vraiment, vraiment hyper joli. Je trouve que la dentelle fait hyper fine. Et au niveau du dos, pareil, ça se rejoint par contre avec la partie là qui est en dentelle aussi. Donc trop mignon. Et le même en fait de cette couleur là, tout simplement, avec les bas qui sont assortis. Évidemment parce que j'aime bien les ensembles. Voilà, voilà. Je continue avec un cadeau de la part des enfants. En fait, ils sont allés se balader chez Zara. Et ils m'ont enfin trouvé une jupe en jean longue et fendue à l'avant.
Et elle est trop belle. Et entre temps, je l'ai essayée et elle me va. Je suis trop contente. Et elle n'est pas trop longue. Donc, c'est juste parfait. Parce qu'en plus, en bas, il y a ce petit détail là. Donc, si j'avais dû la raccourcir, ça aurait été un peu relou. Du coup, c'est nickel. Je suis trop ravie. Et je termine avec un sac qui vient de chez Adidas. Puisque, en fait, on a acheté un petit ensemble et une petite paire de baskets à Jessie dernièrement. Et Sam a eu envie de me prendre quelque chose qui était un petit peu assorti et que je n'avais pas encore. Donc, il a choisi ce pantalon-là qui est slim en fait. Et porter, c'est trop trop beau. Ça change. C'est quelque chose que j'avais pas encore. Pour aller avec, il m'a pris le t-shirt assorti. Voilà, une taille M pour que ce soit quand même un petit peu loose parce qu'il sait que j'aime pas forcément être en tout moulant de partout. Et ce qui est trop trop chou, c'est qu'il m'a trouvé la même paire de Stan Smith que celle qu'on a acheté à Jessie avec la petite partie là qui est jaune holographique. Et c'est trop beau et je trouve ça trop frais et j'adore les Stan Smith. C'est vraiment genre le modèle de basket que je trouve parfait, qui va avec plein de choses et tout. J'en ai déjà pas mal, mais j'en avais pas des blanches avec le petit détail à l'arrière comme ça. Non, j'en ai des colorées et tout, mais pas des blanches toutes simples. Du coup, maintenant je les ai et en plus, sans les mêmes que Jessie, ça va être trop mignon. Et c'est tout pour mes cadeaux d'anniversaire. Enfin, je dis c'est tout, mais vous me connaissez, hein. Je trouve déjà que c'est énorme. J'ai été vraiment super gâtée. Le gâteau au chocolat était délicieux au passage, parce que je pense que vous aurez peut-être vu passer les images sur les réseaux, mais je ne vous les ai pas montrées ici. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, maman. Happy birthday. Allez, 1, 2, 3. Bravo. Il y a le petit cœur. Ah oui, t'as vu, il y avait un cœur. Oui. Il est trop beau, ce gâteau. On a fait des bouts de multicolores, celle-là, sur multicolores. Du chocolat. Du chocolat. Du chocolat. On mange, on mange. Oui. Oui. Sur ce, je vais tout remettre dans le sac, retourner de l'autre côté et tout ranger. Et quand Jessie sera réveillée, on verra si on peut aller jardiner un petit peu. Je dis on verra parce que quand je suis venue dans le studio, il commençait à pleuvoir un petit peu. Donc j'espère que c'était juste passager, que ça va s'arrêter et qu'on pourra quand même aller planter nos tomates, nos... poivrons, vu qu'on n'a pas pris que des tomates, et également les fraises. Et voilà, bon, on croise les doigts. Il n'y a pas de raison, c'était vraiment très 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 léger, donc je pense que c'était vraiment l'histoire de quelques minutes. Bon, en fait, pendant que je vous montrais mes cadeaux d'anniversaire, Sam s'est occupé du potager. Il a un petit peu tout nettoyé pour pouvoir mettre les nouveaux plants. Oui. Qu'est-ce qu'on a qui est resté du coup là? Bah, regarde. Framboise, mûre. Framboise, mûre, groseille, regarde. Groseille aussi. Groseille. Oh, trop bien. Et la dernière fois, je disais, cette plante-là, il faudra l'accrocher. T'as vu comment oui, elle a poussé? Oui, il faut l'accrocher. Ouais. Mais truc de ouf. Et pareil pour l'autre, en fait, il faut les plaquer. Quand je pense qu'on est parti de quelques dizaines de centimètres au mur. C'est ça. De l'autre côté, un peu moins. Hein. C'est vraiment de ce côté-là que ça a bien pris. Ouais. Et voilà où on en est. Par contre, le soleil s'est caché. Oui. Il fait plus un temps de folie. La fraîcheur va arriver. Donc, je pense qu'on fera les plantations plutôt demain. Ouais. Du coup, on va vous laisser pour le petit vlog du jour. On espère qu'il vous aura plu. Et en attendant le prochain, on vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit à très très bientôt. Ciao. Salut, salut. Salut, salut. Salut, salut. Bagarre, salut, salut. Allez, bisous à tous.